plein de feu. Ici. De feu. Tu ne vois pas que ça s'exposait. Exposé comment? Non, c'est trop exposé. Qui allons à l'hôtel. Qui nous voit ici? Là, c'est les chantiers abandonnés. Qui va venir nous voir ici? C'est les herbes partout là. Non, et en, et la maison qui est la personne vit là. Ok, allons, fais seulement vite, pardon. Attends. Comme ça, que ça nous crée l'espace. Personne ne peut nous voir, c'est les herbes. Qui va nous prendre ici? Ah, c'est même peur. Allons-y vite. Personne ne peut voir, personne ne peut voir. Ouais, toi aussi. Tu as trop peur. Tu n'as pas besoin, même, tu as même facilité la tâche que d'aller à l'hôtel, dépenser 5 000. Dépenser 5 000. Je prends les 5 000, après te donner, tu fais quelque chose avec. Ah! Tu as même facile, tu as mis un truc en côte. Faut aussi vite, non? Ouais! Ouais. Doucement. Oh. Toi, tu cries quoi? Ta façon de faire là, tu vas même gémir, dis donc. Ouais. On est dans un truc. Pour faire l'amour avec la guerre. Dans la voiture, même comme ça, avec cette précipitation là, ça a un autre goût. Ça sert à quoi d'enlever? J'entends quelques bruits. Attends. Voilà. Attends. Faisons comme s'il y avait. Comme s'il y avait une moto qui venait là. Ils sont partout aussi à l'hôtel. Elle te dit que nous sommes exposés ici là et ce n'est pas bon. On lutte contre la vie chère. Même le gouvernement menace d'augmenter le carburant. À l'hôtel là même, d'un petit peu bordelerie qu'il y a là-bas, tu peux porter une maladie. Tu sais combien un docteur peut capable de soigner rien que simple que média. Allons, ça c'est ma vie. Tu as même un corps flexible. On a fait quoi? Descendez là. Ya. Sortez de là. Sors. Reste ici là. Elle fait ce qu'elle me regarde mal. Passe comme ça. Waka. Monsieur, sortez. Tu n'as pas honte.
vendeuse de piments en journée en plus. Avec qui même comme ça? Il y a des responsables comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? On a eu quoi, grand? Pardon? On est venu là. C'est une manière pour lutter contre les pertes blanches. Comme j'ai trop travaillé avec les naturopathes, j'ai donc dit qu'on vient ici pour cueillir certains herbes. Votre nom de naturopathe, c'est quoi? Votre nom de naturopathe, c'est quoi? C'est comme ça que les gens font pour salir les métiers des gens. Hein? Donc vous étiez comme ça en train de cueillir les herbes? Pas cueillir, il fallait que je voie d'abord sa température avant d'aller cueillir les herbes. Pardon? Tu le thermogramme? Tu le thermogramme? Pour prendre la température des gens? On n'a rien fait. Des vieux papas comme ça? On n'a rien fait, comme vous voyez là. Regarde-moi l'autre là. Tu n'as pas honte? Viens ici. Rapproche ici. Là-bas. Où est passée ta dignité de femme? Où est passée ta dignité de femme? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu demandes ce que tu as fait. C'est comme ça que vous réduisez la femme à zéro. Maman. Qu'est-ce que tu peux apprendre demain à tes enfants? Maman. Tu as plein à être une femme, une mère de maison. On ne sait rien qu'on fait un éclat de voix. Je vous ai dit qu'on est venu ici par rapport à une situation de perte blanche. Regarde un irresponsable. Ça, c'est le langage des irresponsables. C'est pas que je suis un irresponsable. Monsieur, il faut assumer ce que vous faites dans la vie. Il faut assumer. Demande-lui d'abord de se présenter. C'est les papiers. Présenter. Vous vous appelez comment? Je suis docteur Hacha. Pardon? Docteur Hacha. Docteur Hacha? Hacha. Vous faites dans quoi? Vous soignez quoi? Vous soignez quoi, monsieur? J'avais... Docteur Beka avait voulu me former, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai dormi comme ça dans les rêves. Monsieur, ne sortez pas le nom de Docteur Beka dans votre bouche. C'est un grand docteur. Voilà. Faut pas salir son image. Exactement. Il avait failli me former. Si je suis sorti avec ton téléphone, on appelle la police. Pardon, on s'excuse. Pardon? On s'excuse. Et c'est ici. L'enfant ne peut pas grandir sans manger la chenille. Je m'excuse pour nous deux. En plus, il vient devant ma maison. Si c'est l'enfant qui vous trouve là. C'est l'enfant qui vous trouve là. Vous devriez dire que vous êtes en train de faire devant la maison, en pleine journée. J'ai eu l'intention de frapper, n'est pas frappé. Même le truc, regardez, tout est à plat. Si le truc était au moins levé, on peut dire que ma température n'est même pas montée. Monsieur, je suis un père de famille. Et je suppose que vous également. Quel est le message que vous pouvez passer à vos enfants? Je suppose que c'est... Pourquoi vous dévalorisez le métier de taximan? Pourquoi vous pensez, vous voulez tout concret des taximan, des illettrés? Des gens qui ne réfléchissent pas. Laissez-moi parler. Je voulais expliquer ce qui m'a motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé alors? J'ai fait un sous-charge, j'ai mis la femme là-bas. Mm-hmm. Quand je faisais donc le levier de vitesse, mm-hmm. ça se retrouvait entre le truc. Quand ça s'est donc retrouvé entre le truc, maintenant, ça a levé ma température. Je m'excuse. C'est où j'ai donc fait appel à la femme si elle se bat aussi à minuit. Vous ne voyez pas comment vous êtes petit aujourd'hui. Regardez comment vous devenez petit. Et toi? Elle se bat à minuit ferme. Quand j'ai donc voulu qu'on frappe, elle m'a assez colocon. Monsieur, pardon, que dans votre véhicule, que vous dégagez d'ici. Et il ne faut plus jamais le faire. Vous allez où avec elle? Allez là-bas. Je vais la laisser à minuit ferme. Allez là-bas, monsieur. Faites pas, je change avec vous. On est irresponsable comme ça. Raté de la nature. Tu restes. Tu pars où? Donne-moi mon argent, non. Ton argent, j'ai frappé. J'ai frappé. Votre truc là, c'est l'escroquerie. J'ai fait quoi? Non, tu vas me donner mon argent. Non, laissez-moi pas gérer ailleurs, pardon. Laissez-moi quitter. Vas-y. Entrez, vous partez faire vos histoires ailleurs. Non, comment elle fait pitié? Chême! Regardez-les! En pleine journée, mais où va le Cameroun d'aujourd'hui? Tais-toi, tu ne peux pas se vendre ça. Tu pensais que ça allait après en journée que tu vas aussi parler. Pardon, qui?